Coucou mes chéris, allô, c'est Barbie chétif à l'appareil. On se retrouve dans les conditions du direct et de la découverte pour cette 1397e revue de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout, puisqu'il s'agit de Disc Jam, un jeu qui est gratuit sur le PS Plus, location gratuite. Et donc, ça m'a l'air d'être un Windjammers de la Neo Geo, mais en vue troisième personne, 3D isométrique. Elle est bien gaulée. Alors, on va juste regarder. Option. Peut-être baisser le son. Voilà. Parce que sinon, on va peut-être pas m'entendre. Je suis un rookie jammer. On va mettre sur 50. Les sons effets. On va mettre. Voilà. C'est bon. Donc là, on va faire back to the rack. Private match training. On va plutôt faire du training. Basique tuto. Start. Alors non, là, ça a l'air d'être un jeu qui se passe que en direct. Parce qu'il y a des fonctionnalités réseau, j'aurais préféré plutôt jouer. Donc là, on a un ST de Jax. Hein. Oula, je le sens pas. On va aller partir vite de la live match, parce que si c'est pour se taper des tutos à la con, c'est bon. On va lancer tant pis, on va découvrir le jeu en y jouant. C'est un petit peu le but, une review de merde. Training, find match. On peut pas jouer en. Je comprends pas. C'est qu'un jeu qui se joue en ligne. Ah, merci, play offline. Eh ben putain. Donc on a pas mal d'options. Host LAN. Non, on peut pas jouer normal. Contre l'ordinateur. Il peut pas y avoir un jeu, mais c'est pénible quoi. Je comprends pas là. Du split screen, je comprends pas ce que c'est. C'est-à-dire on joue à deux avec quelqu'un singles. Contre un ami. Je comprends pas qui serait là physiquement, mais moi je veux jouer seul contre l'ordi de pute. De gigolo, bon bah tant pis. Ouais, ok, non mais je comprends pas. Donc on va jouer online, puisque visiblement faire un mode un joueur c'est pas possible. Ça commence bien, c'est vraiment impressionnant de pas pouvoir avoir un jeu. Je comprends pas. Donc là je vais être direct dans le bain, je vais jouer comme une merde et de suite ça on va me faire chier. Et voilà, je vais me faire défoncer le cul. Pour rien, j'aurais pu faire un vrai match normal, mais bon, c'est pas grave. C'est trop compliqué en fait à faire un jeu en 2017 où on peut jouer à un joueur contre l'ordinateur. C'était trop compliqué en fait. Donc moi, je suis le host et comme j'ai une connexion de merde, voilà. Donc ce serait sympa en fait de faire une review. Je peux même pas jouer au jeu. Ça serait cool. Franchement, merci les gars, bravo. Bien, vous avez bien fait, Joy and Team là, Jay and Team. Bravo pour votre jeu, franchement, respect à vous. On vit sur décidément sur la même planète. Bon, on va se casser. Private match. C'est pas possible qu'il y ait un jeu de merde. Un P contre Cov, ça n'existe pas chez eux. Ils ont déjà joué à des jeux vidéo, c'est pas possible, ça fait 30 ans qu'on peut avoir un match à la con de pute. Comme ça, là, vite. Je comprends pas ce que ça veut dire. Search match. Non, j'en ai rien à foutre du LAN. Je veux jouer normal, fils de pute. Je comprends pas. J'en ai rien à foutre du contenu. Je veux jouer un match. Mais non, start the match. Et non, parce qu'il n'y a pas joining match. Je sais pas, je comprends pas. Waiting for one more player, mais si c'est pas moi qui l'invite, je comprends pas ce que ça veut dire. Je comprends pas de pas pouvoir faire un système normal. Donc c'est à dire qu'ils ont même pas calculé une intelligence artificielle du coup. C'est peut-être pour ça ils ont gagné du temps. Ils sont dit on fait directement un jeu sur internet, comme si s'il y a personne qui joue. Bon, ma foi, c'est encore mieux que. Je sais plus quel jeu je vous avais testé où j'étais resté sur l'écran titre. Là c'est encore mieux parce que j'ai téléchargé le jeu, la mise à jour de Gigolo pour faire pour ça. Customize training, j'en ai rien à foutre du training, je veux jouer, je veux trouver un match de pute. Parce que je suis jaloux. Je suis jaloux. Donc on va faire Europe. Any, tant pis, on va faire Any. Any pour Sense.
Comme ça, j'aurai une, y aura du lag. Franchement, super, hein, bravo, hein, keep jeu, ce jeu. Ça fait plaisir. Plus ça va, plusieurs personnes hein, qui ont bossé sur ce jeu. Donc c'est ça qui est impressionnant, c'est que personne s'est dit à un moment donné, ben, je sais pas, si on veut jouer comme ça tout seul, qu'on n'a pas internet ce jour-là parce qu'il y a un bug, on peut même pas y jouer. J'ai même pas les touches, moi c'est ça qui est bien, je sais pas les touches, voilà, super, ah c'est rigolo. Pourquoi tu t'es pas entraîné en jouant seul? Parce que ben, je connais pas les touches, fils de pute. Ouais, génial, c'est marrant. Hein. Putain, le fun. Je sais même pas quelles sont les touches. Rentre chez toi. Ouais, je sais même pas comment on fait les touches, donc allez vous faire foutre. Putain, mais tu pisses sur ta touche, fils de pute. Je sais même pas comment on fait les effets. Ha ha ha. C'est rigolo. Je sais pas les touches. C'est bonheur ce jeu, j'adore, merci. Merci à toute l'équipe des développeurs, franchement vous avez fait du bon boulot. Vous êtes plusieurs à faire ça et puis vraiment c'est sympa quoi. Je vois pourquoi là, je connais même pas les règles, cool. Au calme, j'aime bien moi. J'ai beaucoup de respect. Je respecte, j'appuie sur n'importe quoi. Ça fait du beau jeu. Moi je dis bravo. C'est rigolo. Quel intérêt pour vous de regarder ça? Ben, je me demande, mais c'est pas grave. Moi je dis merci. Je dis merci à tous les développeurs. Vous avez fait du beau boulot. J'appuie sur n'importe quoi. Le degré zéro du jeu vidéo, c'est super sympa. On sait ce qu'on fait, on sait pourquoi. Donc du plaisir en barre. Merci. Merci, hein. Merci et encore bravo. Ne changez rien les gars. Cool. Ah parce qu'il faut pas qu'il retombe. Je sais même pas les touches, pas grave, on s'en fout. C'est rigolo, c'est sympa. C'est génial. Super. Franchement, quel jeu. Merci pour tout. C'est comme les petits, je leur demande à l'école. Les petits, des fois, ils prennent pas leur cours. Ou ils font exprès de prendre mal. Et puis après, ils s'étonnent d'avoir 0 sur 20 en code 3. Je dis, ben, si continue comme ça, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est cool. C'est cool, quoi. C'est faire exprès. Ben là, c'est pareil. Ils font un jeu où on fait exprès de... Voilà, c'est cool. Moi, je dis bravo. Voilà, j'ai perdu, c'est génial. Parce que le jeu est fait pour qu'on puisse pas comprendre un joueur, à moins d'être à avoir la science infuse. Ou alors, non, en fait, j'ai compris. Il faut jouer 300 heures tout seul, en mode hors ligne, mais tout seul. Et comme le jeu ne le permet pas, et ben en fait, tu joues tout seul, tu t'entraînes tout seul, en fait, dans ta tête ou dans ton cul. Parce que tu peux pas jouer seul contre l'ordinateur, donc je répète la phrase, tu t'entraînes 300 heures tout seul, et une fois que tu t'es bien entraîné tout seul sur contre l'ordinateur, parce qu'il n'y a pas de mode un joueur contre l'ordinateur, là tu es paré pour enfin jouer en ligne, et là quelqu'un va te dire, ben ouais, mais pourquoi tu joues en ligne d'entrée, il faut d'abord s'entraîner, mais il n'y a pas de mode un joueur contre l'ordinateur, donc entraîne-toi tout seul. Non, j'appuie sur rien, je regarde, c'est le degré zéro du jeu vidéo. Je n'ai appuyé sur rien, puis là j'ai gagné point, c'est bien. Hein. C'est super quoi, franchement. Je vois bien l'intérêt.
Moi je dis merci. Merci pour ce moment de bonheur. Là j'ai appuyé en bas à gauche et ça m'a fait un effet rotatif. Pas compris, c'est pas grave. Faut pas chercher, faut apprécier le moment présent. Faut apprécier de faire des marges, d'acheter des jeux et de les revendre pour se faire une marge. Moi je vois pas où est le problème. Donc là c'est pareil, on apprécie de pas pouvoir s'entraîner, d'être sur le fait accompli, de se faire bourriner le cul. Et puis c'est génial. C'est perfect. C'est cool. Pour ça, j'ai rien à vous dire sur le jeu, j'en ai strictement rien à foutre. Parce que sans le jeu veut qu'on se fasse chier. Donc il faut faire n'importe quoi et puis c'est génial. Prends ça dans ton cul, fils de pute. Prends ça dans ton cul. Merde, il fait chier ce fils de pute. J'ai peut-être gagné un set, ça serait cool. À force de faire n'importe quoi. Et merde, ta mère la pute de gigolo. Ça fait longtemps alors. Mais pourquoi je bouge? J'allais gagner comme une merde. Rentre chez toi. Bon, c'est quand que je gagne ce putain de set? Bon, c'est fait exprès pour que je gagne jamais, hein. Super. De toute façon, je connais pas les touches, je n'ai pas pu m'entraîner. Il faut un tuto ou appuyer sur droit pour aller à droite. Si c'est pour me faire ça, il peut pas directement faire un tuto sur le vrai truc qu'on veut savoir dans ce jeu de merde. Ils font toujours des tutos pour débiles mentaux là. Et pour les trucs intéressants, il n'y a plus personne. Deux, simplement deux, c'est génial. Je me suis bien amusé, hein. Je connais toujours pas les touches. Donc je connais aucune subtilité du gameplay, je sais pas pourquoi je gagne, je peux pas mettre de tactique, du gendarme. Prends ça. Ma foi. Donc c'est équilibré parce que lui il a dû s'entraîner j'imagine 300 heures parce que lui, comme il est intelligent, il a réussi à jouer tout seul contre l'ordi alors qu'il n'y a pas le mode de jeu pour ça. Mais bon, lui il a réussi, du coup il s'est entraîné, il s'est joué. Parce que moi je sais même pas faire les coups spéciaux, hein, les effets rotatifs. J'en sais rien du tout, moi j'appuie toujours sur carré ou sur X et du coup je joue comme une merde parce que j'ai pas de... Alors, un bouclier peut-être à X, c'est que quand il tire fort ça me permet de... C'est le même système que Windjammer, sauf que c'est un jeu que j'y ai jamais joué. Windjammer, je sais ce que c'est. Ou alors j'ai joué une fois ou deux. On avait testé avec mon gourou sur Kaira, je crois. Prends ça, rentre chez toi, boum. Rentre chez toi. Rentre chez toi. J'aurais gagné un set. Eh ben putain, ça y est, j'en ai gagné un. Ça finit par... même si je joue comme une merde, ça finit par gagner, mais bon. Après le jeu, si on avait pu avoir un vrai mode pour s'entraîner avec un jeu, un truc, j'aurais dit que le jeu était super sympa, mais comme c'est un jeu qui nous fait des coups de pute, je fais mon gigolo. Donc au collège, là, les petits ils font l'ultimate, c'est-à-dire c'est comme le handball, c'est un mélange entre le handball et le football américain.
Eric Coin, sauf que tu joues avec un frisbee. Prends ça avant. PD. Je connais pas les coups. Ah non, c'est R2, L2. Je connais pas, je découvre à peine. J'ai quand même mis un 7 dans les dents, mais là ça a pas marché. Ah non, c'est carré pour faire un petit saut. Putain! Musique de merde derrière, de rock de pute là. Rentre chez toi. Ah oui, c'est carré, je crois toujours que c'est X. Hein. Et merde! Chie agace. Putain, on veut prendre des risques, mais. Je sais qu'avec R2, L2, ça marche pas. Il fait comme tout à l'heure, moi tout à l'heure il fait n'importe quoi. Pour que je gagne, il peut-être fait exprès ou il est déconnecté, il a la diarrhée. Donc c'est le seul moment où je peux gagner, c'est là. Il a rattrapé. Il me troll là. Alors il sait qui je suis, il dit tiens, si je joue contre Barbie Chétif, il faut le laisser gagner, le pauvre, il joue tellement comme une merde. Ou alors c'est peut-être quand tu perds un match. Quand tu perds un match. Ah. Doudou là là. Il s'est dit, s'il perd un match, il a un trophée. Voilà, il fait le malin. Mais c'est quand que je gagne là, putain, eh ben voilà. Bon, après il m'a aidé, j'ai gagné les points gratos, donc c'est une fausse victoire. Bah écoutez, le jeu il aurait été sympa si on avait pu s'entraîner avec un vrai mode un joueur. Ciao Pépito, et à plus mes puces, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte d'autre de fort peu intéressant.